Valérie Giscard d'Estaing, vous n'avez pas fini votre histoire sur le fameux au revoir. Alors on attend la fin, il y a un suspense terrible depuis le départ. Vous pouvez recommencer. On recommence tout depuis le début. Alors, pour leur rappeler, pour regarder peut-être de temps en temps l'émission d'Arthur, les enfants de la télé, qui se termine toujours par cette image du président Giscard d'Estaing. Voilà, qui dit au revoir. Voilà. J'avais préparé mon départ. Au revoir. Donc j'avais un texte, ouais, que j'avais écrit moi-même, enfin, que je connaissais par cœur, que j'ai dit, et qui franchement était un bon texte. Oui. Parce qu'au lieu d'être amer, c'était bon, c'est un résultat démocratique, c'est comme ça. Enfin, faut être fair play, quoi. Et je souhaitais qu'elle se réussisse et que la France continue de progresser, etc. Et puis j'ai dit, moi, par contre, je vous dis au revoir et je vous quitte. Et je me suis levé pour partir. Mais je n'avais pas vu que la porte était très loin. C'était dans une salle très grande. Moi, je crois que la porte était à 3 ou 4 mètres. Oui. Donc je me lève pour partir. Et je m'aperçois qu'il faut que je marche pendant 15 ou 20 mètres. Et alors la caméra qui me prenait me suit et enregistre cette image. On a cru que c'était exprès. Ben oui, c'était une mise en scène. Alors c'était simplement le fait. Vous n'avez pas très bien vu où était la porte. Et vous pas il faut toujours vérifier où est la porte. Oui. C'est ça, voilà. Donc il ne fallait y voir aucun symbole. Non, aucun.